à tous, on va préparer aujourd'hui une tarte salée au thon et poivron, rapide et délicieuse. Vous retrouvez le détail d'ingrédients en barre d'infos. Sinon, vous pouvez aussi imprimer la fiche recette sur mon site mafleurdeoranger.com. Commencez par mettre l'oignon avec une cuillère à soupe d'huile sur le feu et vous faites revenir jusqu'à ce que ça soit translucide. Dans un récipient, vous mettez les œufs avec la crème, du poivre et du sel. Et vous fouettez légèrement avant d'ajouter le reste d'ingrédients, donc du thon nature émietté, un poivron rouge et un jaune coupé en petits dés. Mettez également l'oignon, du persil ciselé et vous mélangez tout ça avant d'ajouter du fromage râpé. J'ai mis un disque de pâte brisée dans un moule à tarte et je vais verser la préparation dedans. Je vais la répartir sur toute la surface. Si vous avez les bords qui dépassent, vous pouvez les plier comme ceci. Le four est préchauffé à 200 degrés. On va mettre notre tarte à cuire pendant 45 minutes ou un peu plus selon les fours. Et voilà, notre tarte est prête. On peut la déguster accompagnée d'une salade. C'est vraiment très bon et vous avez vu, la recette est simple et rapide. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis dans les réseaux sociaux. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.